très très déçu. Là, il n'y a pas d'histoire de blessure, d'accident, quoi que ce soit. Je fais un mauvais combat. C'était très très certainement ma dernière compétition internationale. Et c'était pas du tout l'image que je voulais envoyer aujourd'hui. Mais concernant, je savais que ça allait être très très dur. J'avais un très gros tirage. Le Coréen, j'ai déjà battu aux équipes il y a 2 ans. Et il n'est pas du tout impressionnant. Donc voilà, je fais tout le début de combat. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'arrive pas à déclencher. Je me sens un peu spectateur de mon combat. Je sais que je dois y aller et puis ça répond pas. Alors, c'est ce que j'expliquais à Christophe en sortant du combat. Je transpire même pas, quoi. Je ne sors même pas à la mort de mon combat, c'est pas normal. Je suis resté sur une ligne assez lente et basse par rapport à ce que je suis capable de produire. Donc là, je suis vraiment déçu, quoi. Énormément de monde m'ont soutenu pour ce championnat. C'est une vraie déception pour moi de leur proposer ce genre de combat. Parce que ça me ressemble pas et voilà, j'ai pas du tout été à la hauteur de cet événement. Et voilà, sortir dès le premier tour sur ces chemins du monde, c'est décevant. Là, malheureusement, j'aurais pas été capable de prouver au niveau mondial, excepté cette médaille olympique. Mais ouais, je trouve que malheureusement, en essayant d'être le plus modeste possible, je trouve que je suis pas à mon niveau sur ce championnat et sur bon nombre auxquels j'ai pu participer. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage, c'est frustrant. Frustrant, décevant et voilà, ça fera partie de ma carrière. T'sais. Comme je l'avais dit, hein, je m'interdis de rien du tout, mais c'est vrai que voilà, je vais avoir 34 ans cet été. Et puis le haut niveau, c'est dur et ingrat. Puis dès qu'on voit qu'on baisse un petit peu de rythme, ben voilà, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, il va falloir se poser les bonnes questions. Même si j'avais des atouts pour faire une belle journée aujourd'hui, il n'y a pas de secret dans le haut niveau. Si on n'est pas au top, ça passe pas et ça l'a encore prouvé aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'amuser à faire de la figuration jusqu'à une fin de carrière, je ne sais pas quand. C'est pas mon but, c'est pas l'image que je souhaite donner. Donc voilà. C'est décevant aujourd'hui de terminer comme ça et puis voilà, il faudra en tirer des conclusions pour la vie après.